course prix de Maison Lafitte, une course plate sur la distance de 1000 mètres avec Denis Darko qui s'est obligé d'en parler quand même, avec un très léger avantage juste devant Languetto Gemina qui vient en seconde position et troisième avec Klogen Fertrekel qui n'est pas loin du tout et qui va tenter de venir actuellement que Sport Clarissa patiente à l'arrière-garde de même que Bremsen Venus. Les concurrents sont dans la ligne opposée, toujours une allure très régulière imprimée en tête avec Klogen Fertrekel qui a toujours librement l'avantage. Languetto Gemina qui vient toujours en seconde position. Denis Darko n'est pas loin du tout et tente de venir également alors qu'on tente de se rapprocher au centre du peloton avec Kitwave notamment. Les concurrents qui sont maintenant à la main sur les derniers tournants et pas de changement de table en tête actuellement. Denis Darko qui a supporté le poids de la course et qui tente de se relancer le poubelle maintenant alors qu'on vient en seconde position avec Languetto Gemina, avec Logan Fairtrail, avec Kitwave qui n'est pas loin, Eric Fistikitibou qui tente de regagner les rangs maintenant. Les concurrents qui vont maintenant aborder dans quelques instants la phase finale de l'épreuve. Il va leur rester 250 mètres à parcourir et toujours Denis Darko solidement, qui a solidement l'avantage et qui va tenter de se détacher de ses adversaires. Mais Cosmar Clarissa revient maintenant à l'extérieur, tente de menacer de même Kitwave qui n'est pas loin du tout. Languetto Gemina laisse passer l'orage, il m'en fait va tenter de se relancer maintenant au centre. Les concurrents qui sont maintenant à moins de 100 mètres du disque final et le tirage en tête maintenant avec à l'extérieur Languetto Gemina qui va tenter de réaccélérer à l'extérieur. Et on vient avec Cosmar Clarissa qui a pris l'avantage maintenant. Et puis Marion Tenonin au devant du poteau. Cosmar Clarissa qui a pris l'avantage. C'est Cosmar Clarissa qui va s'imposer pour la plus grande joie de petite façon. Languetto Gemina sera à la lutte pour la deuxième place avec...